Allô? Voilà, maintenant il y a la musique du jeu. Je me demandais où était la musique du jeu, mais je l'avais mute sur mon splitter son. Je sais pas pourquoi. Allô? Retour. Retour de nous sur l'oiseau qui dort. Bird by Sleep. Alors tantôt, j'ai quand même fait une pause parce que j'avais faim et parce que le jeu commençait à m'énerver. Parce que y a rien qui fonctionne avec Aqua. Du coup, j'ai dû tenter plein de trucs. Au départ, j'ai essayé de faire le boss en utilisant les liadés, mais je me suis rendu compte que je peux même pas les faire charger avec la garde. Ensuite, j'ai essayé en mettant juste la garde, mais je trouvais ça trop chiant. Et vu que c'était chiant, ça m'amusait pas. Et vu que c'était un jeu vidéo, faut s'amuser. Alors après, j'ai arrêté le stream, mais je me suis dit, je vais juste chercher des spells qui vont m'aider. Alors je me suis dit d'abord, on va essayer comme avec Terra et comme avec Ventus. Bon, ça avait pas très bien marché au départ avec le perso avec le Vanitas, le deuxième combat avec Vanitas dans le pays de Peter Pan, ça a pas très bien marché. Ensuite, j'ai quand même réessayé contre le mec qui a les arbalètes. C'était de la merde, je faisais aucun dégât. Alors ensuite j'ai essayé avec que des foudres, vu que foudre c'est le spell que j'ai utilisé le plus, ça faisait rien. Donc les déferlements ça faisait rien. J'ai essayé les auto-attaques, ça faisait rien. J'ai essayé glacier, ça faisait rien. Surtout glacier ça ne visait pas l'ennemi. Et je me suis dit, on va essayer, et c'est là que vous vous dites pourquoi je suis sur ce menu, mais c'est parce que je voulais pas spoiler tout de suite. Je me suis dit on va essayer avec la même technique que j'utilisais dans Chain of Memories. Donc le chien de la mémoire. Et j'ai simplement refait un deck feu. Voilà. Brasix, 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 Brasix. Aimant foudre. Parce que j'ai juste pris le temps d'XP Brasix contre les tornades. Je les ai tous achetés. J'en avais quelques-uns. Et ensuite j'ai essayé. Ça fait des dégâts. Alors on va mettre juste des soins. Ah. Mixage. On va faire des soins X, hein, quitte à... Foutu pour foutu. Et en fait, ça marche bien. Fire. Fire, pour ceux qui se rappellent quand on faisait des fire H24. Rappelez-vous. Défenseur. Rappelez-vous de cette époque où on faisait fire, 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 fire. Et ben là, ça va être pareil. Ça va être 100% pareil. Salut, rebelle. Ça fait longtemps, Adi, tu vas bien? On va faire fire toute notre vie. On va terminer ce jeu. Je vous avoue même que les deux boss qu'on va faire, je les ai tués sans même faire gaffe tantôt quand je testais. Genre, le gars avec les arbalètes, je l'ai tué au deuxième try. Et le mec, le boss qui est après, je l'ai tué genre first try, tu vois. Et je suis là, what? Après, j'ai éteint la console. Enfin, j'ai skippé les cinématiques, j'ai sauvegardé. Parce qu'au cas où j'y arrive plus, j'ai sauvegardé. Et puis, j'ai rien vu et j'ai éteint la console. Et là, j'ai rallumé à la sauvegarde d'avant. Mais genre, je m'attendais vraiment pas à le first try. Du coup, j'ai une sauvegarde à la fin du jeu, mais j'ai pas vu la fin du jeu. Du coup, on va le refaire. Et cette fois, ensemble. Au final, ça m'a pris genre 30 minutes, le temps de farmer, de penser à tout ça. Et j'en ai vendu et acheté des items. Genre, à moi, j'ai même fait des combos de type... J'ai eu triple glacier, parce que glacier, ça marchait pas. Quand je dis glacier, ça marche pas, c'est que je t'explique. L'adversaire est en face de toi. Tu tires en le loquant, et s'il se déplace, le projectile n'en a rien à foutre. Parce qu'en fait c'est juste un obus que tu tires. C'est pas guidé comme feu. Feu c'est guidé. Mais glacier ce qu'il y a c'est que si ça touche, ça traverse aussi. C'est ça que j'ai compris en fait. C'est que ça traverse et que je peux toucher plusieurs cibles. Mais contre un boss ça sert à rien. Le retour de l'homme qui ne se souvenait pas. Non mais je me suis dit que si j'ai appris une chose, c'est que quand on joue aux jeux vidéo et que c'est chiant, faut faire des adoken. Et ça marchait bien dans Bird by Sleep, alors on va continuer. Dans Chain of Memories, alors on va continuer à faire pareil. Mais quel jeu de chiasse quand même. Vraiment, vraiment un jeu de chiasse. Alors, je peux pas acheter de. On va vendre des trucs. Regardez ça, ça sert vraiment à rien. Tous ces trucs, je sais pas pourquoi je les ai achetés à la base.
Je vais tout vendre. Et on va acheter du soin. Alors je me dis peut-être mettre 2 spells de soin. Mais... enfin 4. À la base je voulais mettre 4 spells de soin. Mais je me suis dit je peux m'en sortir avec 2. Il est où l'autre soin X que j'ai acheté? C'est moi ou j'ai acheté Stop X? Oh là là, j'ai acheté Stop X. Je suis vraiment attardé. Je vais recharger. Bon, ça c'est quand on est un boulet. D'ailleurs, vous allez voir la sauvegarde de moi qui ai fini le jeu. J'ai acheté Stop X. Mais personne ne veut stopper de manière X les ennemis. On s'en fout. Vous voyez, il y a une étoile. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu l'étoile. Cachez vos yeux. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de finir le jeu. Je vous le promets. J'ai été pris par l'adrénaline de me dire je peux le first try et je l'ai fait. I'm sorry. Ok. I'm sorry. Donc on va vendre toutes ces conneries. Et on va acheter soin X. Non, qu'est-ce que je fais? Je sais pas acheter des items dans un magasin. C'est trop compliqué. Voilà, soin X. On va faire un jeu de commande. Non, un mixage. Et on va mixer soin plus avec soin plus. Voilà. Donc au final, nos deux soins sont même pas level max, quoi. On va mettre un truc boost. Non, boost feu en vrai. Mais je sais pas utiliser les commandes de ce jeu. Je voulais juste revenir en arrière. Le jeu m'a fait quitter le menu. Ça donne peut-être un boost feu. Boost feu? Ah, dommage. Booster soin, c'est déjà bien. On va booster les soins. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de systèmes qui ont l'air de me rebooter dans ce game U, mais bon, je verrai bien quand j'y serai. Perso, je trouve que Kingdom Hearts 1 et 2 beaucoup plus compris. Non, mais ce jeu, faut être honnête. Hein. Je suis sûr que n'importe qui l'a fait, tu peux aimer le jeu, mais quand même, malgré que t'aimes bien le jeu, être sain d'esprit et dire que c'est de la merde, tu vois. Mais oui, tu ne fais pas exprès. Mais c'est parce que Rebelle est là. Quand Rebelle est là, je fais de la merde et après, elle me le rappelle. Mais c'est pas vrai. En plus, je joue bien. Je suis un mec fort. Équipé. Voilà, on m'équipe ça. On va re-sauvegarder comme ça. Oh non, j'ai juste sortir et revenir. Comme ça, au cas où je me trompe encore dans les menus et que je fais continuer, j'ai plus à refaire tout ça. Bon. Si ça se passe aussi bien que tantôt, c'est-à-dire si je suis concentré et que je fais pas de la merde, on pourrait avoir terminé assez rapidement. Attends, juste à la place de brasier X, j'avais acheté un brasier de trop, je me rappelle, et j'ai brasier fission. J'ai essayé une strat avec que des glaciers X, des triples glaciers, bref, j'ai essayé plein de trucs. Et rien ne marche mieux que... Fire! Alors on va remettre les cinématiques pour le plaisir de... d'être sérieux. Écoutez l'histoire, arrêtez. T'inquiète, elle dure 2 minutes, ça fait plaisir. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The master. He tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the master. I did need to be watched. I went astray, but no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again.
Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, Ben. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just... put an end to me. Lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! How about you leave the popsicle with me?
So you can go have your little fight with Terra. Sa voix m'énerve déjà. You can't be too happy about him deep sixing your master. Ce connard. You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Terra will prove to you he's stronger! Aqua! Allez, c'est l'heure de pas se faire tuer. Ah! Allez. Ah, je suis mort. Je suis mort. Ouais, si je me prends ça, c'est fini. Ah, quoi? Cette guerre qui ne sait que faire. Ah, ah, les one shots, il m'avait pas manqué. Nique ta race. Vous voyez que ça marche un peu mieux avec Fire. Ah! Ouh, j'ai esquivé. Je sais pas comment, mais j'ai esquivé. Ah, esquive! C'est bon. Non, mais pourquoi tu te heal, sale pute? Ah! Mais j'ai mis la garde. Garde. Ah, ici j'ai le temps de mettre quelques coups. Oh! La garde! Mais la garde! J'ai mis que la garde! Techniquement, c'est toi qui. Non, elle participe aussi au combat, cette pute. Regarde, moi j'ai mis la garde. Elle l'a pas mis. C'est son problème. Mets la garde. Bon, là j'ai pas mis la garde, tu vois. Quand je mets pas la garde, je le sais très bien. Ah, là j'ai pas mis la garde. Là j'ai pas mis la garde, je me suis healé. Ah, feels bad. Là tu feels bad, parce que là t'es mauvais. Mais ça se passe déjà beaucoup mieux que ne pas lui faire de dégâts. Oh. Là j'ai eu de la chance par exemple, parce que j'ai pas mis la garde, mais c'est passé quand même. J'ai peut-être le droit de lui mettre ça, peut-être pas. Ouh. La garde. Tu vois, là j'avais pas esquivé. Ah, la fin du jeu. Ah, je suis bloqué, non. La caméra, hein. Come on.
La garde. Ah. En général, si je crie, c'est ma faute. Oh. Bon, je crie beaucoup là. Comme quoi, je suis honnête avec le jeu. Et si j'engueule à quoi, c'est sa faute. J'ai mis la garde là-haut. Calme-toi. Non, là, je suis trop près. Je vais esquiver d'abord. Et voilà! Il fera le boss à l'arrache comme l'autre. C'est quand même à l'arrache. Hein. C'est avec les quelques peu de pognon que j'avais que j'ai fait ça. Bon, là je regarde les cutscenes, je les ai pas vus. C'est ça! Sinon je fais fire! Ouais, ouais, nique-toi! Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. Nique-toi, connard. Bon, j'arrête de parler. Il m'a énervé quand même, ce type. Bon, retournons voir le petit frère glaçon. Ah. I'm asking you as a friend. Just put an end to me. Gosh, I'm glad you're okay. Ben! Oh, thank goodness. Ben! You're safe! Ben? Oh! Cette parade! That's not Ben! Correct. I am not Ventus. His heart has become a part of mine now. This keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, keyblade-bearing warriors will flock here from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin! Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Ben his heart back! C'est ça, ferme ta gueule! Oh, il a une Keyblade longue! Une Keyblade à deux mains! Ah! Calme-toi, petit! À deux! Attends, y'a Mickey, il fait un truc. Oh non, il fait plus. Fire. 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 Fire, mon gars. Ah. 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 Faut arrêter, hein. Pourquoi ça fait mal comme ça? Ah oui, là, là il faut attaquer. Ah.
Vite, Mickey. Non, Mickey m'a pas aidé. Je comprends rien. Mickey, fais quelque chose. Tiens. 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 Oh merde. C'est surprenant cette attaque. Hein. Il faut que je me heal vite. Touche même pas des fois. Mais Mickey, arrête de rien foutre. Fire. Non, me touche pas, s'il te plaît. Il m'a pas touché. Vite. Poussière de diamant. Laisse-moi tranquille. Il a tué Mickey Mouse. Mais d'où il sort lui? J'esquive, je sais pas comment. Il vise Mickey. Il vise Mickey. Yes. Il visait Mickey. Deuxième fois que je le first try. What's wrong? Giving up already? C'était pas facile, hein. Tara, Ben, lend me strength. La force de l'amitié. Vite, fais quelque chose. Ben.
Rapport de Xehanort 7. C'est bien ça. Aqua, you lost consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of terror. I see. Ven. Ventus. The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah! Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him. Et voilà, mon gars, c'est fini une deuxième fois. Vous avez dit que c'était facile, le jeu. Il suffit d'avoir les bons spells. Hein. Je comprends pas pourquoi les gens ils se plaignent, franchement. Ça essaie de tuer des boss avec aimant, et puis ça se plaint. C'est normal, hein, quelque part. Quel jeu de merde. Oh là là. C'était pénible, franchement c'était pénible. Le run d'Aqua était le plus pénible. Je crois que celui de Ventus était le plus simple. Celui de Terra au début c'était pénible parce qu'on apprenait le jeu, mais Aqua, oh là là, elle avait genre rien pour elle la pauvre. Hein. Mais genre rien pour elle. Mais c'est mieux que Chain of Memories, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Chain of Memories c'était vraiment n'importe quoi. Genre... La différence entre la puissance de feu et tout le reste était telle que le gameplay lui-même n'existait plus dans Chain of Memories. Parce que je l'ai fait en difficile, j'aurais fait en normal et que feu soit extrêmement puissant encore. Mais là, c'était genre... Impossible de se dire dans ma tête que tu fais Chain of Memories en difficile avec autre chose que feu. Essayez de me faire croire qu'il y a d'autres spells, mais c'est pas possible. C'était n'importe quoi, Chain of Memories. Je sais pas, ils savent pas équilibrer leur jeu. Surtout que récemment il y a eu la Summer Games Done Quick, donc où ils ont réuni plus de 2 millions d'euros avec les dons. Et à un moment il y a eu un speedrun de Kingdom Hearts 1 je crois. Et le mec le faisait niveau 1 en extrême.
Mais il a expliqué qu'en fait le jeu est tellement mal fait, tellement mal codé que quand tu joues contre les boss et que t'es niveau 1, t'as certaines attaques qui ont une puissance démesurée parce que le jeu se dit le mec il arrive là niveau 1, le boss est genre niveau 32, il va jamais y arriver, alors le jeu en lui-même rend des trucs cheatés pour qu'il puisse quand même y arriver, comme ça il a une chance. Mais pour un speedrunner, tu lui donnes un truc cheaté, bah il défonce ton jeu, tu vois. Donc c'est encore... C'est à se dire que feu aurait fait plus de dégâts si j'étais niveau 1. Et vu que je me fais one shot, foutu pour foutu, ça s'apprend. Hein. Un run où tu te fais pas toucher. Et je crois que c'est comme ça qu'ils font. Mais c'était drôle l'anecdote. Du coup il nous reste le chapitre secret à faire. Qui normalement est débloqué. J'espère. Je sais pas comment on y accède d'ailleurs. Mais en tout cas à la fin de Kingdom Hearts, de Burn by Sleep, si tu ne fais rien d'autre, en gros Terra a perdu son âme aux ténèbres et est devenu le corps de... Il est devenu le corps de Xehanort. Donc Orochimaru a pris le corps de Sasuke. Ventus, ou plutôt Dark Vador a pris le cœur de, a pris le corps d'Anakin. Mais après Burn by Sleep, il te reste pas d'autres games à Kingdom Hearts à faire. Ah non, c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai tout fait pour parce qu'en fait dans ma collection, les deux derniers jeux Recoded et 3 milliards de jours là, c'est des films. Du coup, je vais les regarder. Je vais pas les faire. Et voilà. Alors normalement, il y a un trophée, comme je vous dis, je l'ai eu sans faire exprès. Le trophée, c'est une meilleure amie ou une amitié en or, je sais plus c'était quoi. Mais en gros, ça veut dire termine l'histoire d'Aqua. Du coup, Anakin s'est devenu Dark Vador avec Terra. Ventus, son âme, elle a été volée et il est devenu Vanitas. Vanitas a créé la clé et a essayé d'ouvrir le royaume des cœurs. On voyait la serrure dans le ciel. Mais il a été vaincu par Aqua. Donc Ventus maintenant il est en état végétatif. Non mais et 2.8. Quoi 2.8? Il y a encore un jeu. Faut savoir hein, s'il y a encore un jeu je vais le faire. Mais moi je l'ai pas, ça veut dire. Il y a encore un jeu. Bah oui. Sérieux? Ah merde, il y a encore un jeu. Et merde. Bon ben on est. Je vais voir. Je vais sans doute le faire. Et il y a... Comment ça s'appelle putain, il y a encore un jeu. Et à quoi elle a gagné. C'est tout. Donc jusqu'à présent, c'est un peu le bordel. On va re-sauvegarder au-dessus de la sauvegarde que j'avais faite. Comme ça, personne ne sait que j'ai fini le jeu avant. Mais comment ça, 2.8? Ça veut dire que j'ai acheté de la merde. Attendez. Je me suis fait avoir alors. J'ai pas acheté ça où il y avait tout. Mais vous êtes compliqué, Kingdom Hearts, il y a trop de jeux. Moi j'ai acheté ça moi. Regardez. Attendez. Je me mets en plus grand. Oh vous êtes relou. Moi j'ai acheté ça. 1.5 plus 2.5. Quelque part ça fait Kingdom Hearts 4 déjà. Ouais moi je suis plus loin que vous. Hein. J'ai Kingdom Hearts 4 les gars. Et dedans il y a déjà 6 jeux Kingdom Hearts 1 et 2 plus 4 jeux à côté, c'est bon. 4 c'est un chiffre pair, tu vois. Kingdom Hearts Dream Drop Distance plus Burn by Sleep 2.0 plus Kingdom Hearts X. Quoi? Non mais calmez-vous. Déjà ça c'est suffisant.